Salut et bienvenue dans cette chaîne. Ici, on parle de tout ce qui a trait avec la politique camerounaise et sa relation internationale avec la diaspora. Si c'est ta première fois, bien vouloir cliquer la cloche de notification, cela te donnera le droit de recevoir nos contenus en primeur et également te donnera la possibilité de partager les informations fraîches qui viennent du Cameroun, ce qui est généralement connu comme le continent. Je m'appelle Meyo Siri, très chaud de t'accompagner pendant le temps que tu vas passer sur cette chaîne. Sans plus tarder, passons au vif du sujet. Les enjeux en politique dans un pays comme le Cameroun, le Nigeria, la Côte d'Ivoire ou même le Sénégal est largement au-dessus du droit. Ces pensées ne sont pas de moi, mais du docteur Aristide Mono, qui lors de sa dernière chronique s'est appesanti sur cinq raisons pourquoi M. Franck-Emmanuel Biya n'est pas qualifié à succéder à son papa, mais concourt directement vers une surprise qui serait telle que le cas du Gabon ne serait qu'un exemple à suivre. Écoutez, la présence de Kylian Mbappé au Cameroun a ouvert plusieurs guillemets parmi lesquels le sujet de Franck-Emmanuel Biya a refait surface sur la table des discussions. Que ce soit dans les chaumières, des bénétariats, des amphithéâtres ou alors des lits d'hôpitaux, tout le monde en parle. Ces personnalités de Franck Biya, pratiquement calmes, certains ne savent pas s'il est moumou, s'il a une voix forte ou alors s'il parle doucement, il a décidé de plonger les Camerounais dans une séance de réflexion en une autre pareil. Beaucoup commencent à demander à Francine Kanou, mais dis-nous comment ce Franck Biya s'exprime. Parce qu'il a rarement occupé un bureau dans ce pays, il a rarement pris la parole en public, il a rarement fait des descentes inopinées, il a rarement montré dans quel domaine il avait de l'intérêt. Eh bien, quoi de plus que de mettre les politiciens dans le « je m'interroge ». Je m'interroge donc, comme Dr Aristide Mono, sur ces cinq points qu'il a mentionnés. Par exemple, la justice sociale des nominations. Il en a pris cet exemple-là dans son analyse, en disant « le poste de premier ministre dans ce pays est toujours occupé par un anglophone. Qu'il soit compétent ou pas, on n'a pas eu besoin de justifier que ce poste-là mérite d'aller à un anglophone pour la justice sociale. » Il y a les ministères dans ce pays qui sont toujours revenus à des autochtones d'un lieu spécifique. On n'a jamais questionné pourquoi, mais tout simplement parce qu'il y a quelque chose dans la République qu'on appelle la justice sociale. Et donc, pour le docteur Aristide Mono, il pense à l'élégance politique. Mais ce terme ne peut exister que dans les démocraties où la jeunesse est éveillée pour les vraies choses. Regardez le Sénégal. Macky Sall a tenté de menacer l'opposition, d'intimider l'opposition pour prétendre à un troisième mandat. Et lui, il est revenu sur sa parole pour dire il n'y briguera pas. On ne peut pas lui prendre sur parole parce que son frère Ouattara a fait cela en Côte d'Ivoire. Il a même nommé son potentiel successeur, sauf que la mort, étant un imbécile toujours vivant, a visité ce successeur-là et même visité d'autres personnes probables à remplacer ce successeur. Et Ouattara nous a dit à l'aube de l'élection, il n'a pas d'autre choix que de se représenter. Est-ce que ça serait le même cas au Sénégal? On a beaucoup de raisons d'y croire parce que jusqu'ici, l'opposant sénégalais Sonko n'a toujours pas pris cette parole du président sénégalais Macky Sall à la parole d'évangile. Il a des doutes, il a des inquiétudes parce que l'épée de Damoclès que la justice sénégalaise a sur sa tête continue toutefois de planer. Retournons rapide au Cameroun avec le cas Franck Biya. Franck Biya est en train d'utiliser la tactique que son père, Paul Barthélemy Biya, utilise pour gérer le Cameroun depuis près de 4 décennies. Beaucoup pensent que l'hypothèse de dire qu'il y aura alternance au Cameroun par la voie d'élection est une hypothèse idiot, bête. Parce que si depuis 4 décennies, on n'a pas pu élire un président dans ce pays, dites-vous bien que même quelqu'un qui n'a jamais été à l'élection, jamais été à l'école, n'a jamais fait la politique, s'il se présentait comme candidat dans ce pays, eh bien pour certains analystes politiques, il passera comme une lettre à la poste. Il n'y a que deux conditions. Il faudrait que l'ELECAM lui valide et que la Cour constitutionnelle lui fait foi et tout est parti. Parce qu'en réalité, que ce soit le président de la République ou bien les élus locaux, ils savent pratiquement quoi faire pour pouvoir assurer leur lendemain politique. Est-ce ça réellement la démocratie qu'on nous vend? À tout vent, qu'on nous fait participer à des conférences ici et là pour pouvoir renforcer? C'est une question à plusieurs inconnus dont nous ne pouvons pas prétendre répondre ici et là. Tout ce qu'on peut dire en ce moment, c'est que la jeunesse camerounaise, on la sait douée, on la sait courageuse, on la sait toujours entreprenante. Et j'avais dit pour le cas Kylian Mbappé lorsqu'il devait venir au Cameroun que le peuple camerounais est hospitalier.
elle sait où sont ses intérêts et elle sait comment reconnaître les siens. Beaucoup croyaient vraiment qu'on devait snober Kylian Mbappé dans ce pays, bien que non. Beaucoup pensent qu'on doit snober Samuel Eto'o dans ce pays, bien que non. S'il y a quelque chose dans ce pays que j'apprends à reconnaître, c'est la reconnaissance du mérite. De ce point de vue-là, le professeur Maurice Kamto reste d'actualité parce qu'il a le mérite de la connaissance, il a le mérite de la sagesse, il a surtout le mérite de la patience. Parce que nul ne peut diriger s'il n'a pas servi. Nul ne peut diriger s'il n'est pas patient. Et les erreurs sont humaines. Les erreurs des politiciens, tout comme les erreurs des gouvernés, sont humaines. Donc, je ne m'hasarderai pas à aller me plaindre du peuple camerounais qui, jusqu'ici, est en train de subir la dictature féroce de ce gouvernement en place depuis près de 4 décennies, qui tente par tous les moyens d'imposer son fils préféré, Franck-Emmanuel Dia, comme successeur légitime, comme attenance par omblénicale, comme le futur du Cameroun. Et même si on en viendrait à vivre cette réalité-là, le peuple camerounais saura toujours, le moment venu, reconnaître les compétents. Prenez-moi au sérieux. Kylian Mbappé n'a jamais joué pour le Cameroun, vrai ou faux? Il a souvent tenu les propos qui vont à l'encontre du Cameroun, vrai ou faux? Mais une chose qui n'a pas failli, c'est qu'il a continué à être le meilleur de sa génération, le meilleur de ce qu'il sait faire, et le peuple n'a pas d'autre choix que de l'adopter. Voilà le peuple camerounais que j'ai appris à connaître au fil des années. C'est la même chose qui s'est passée avec Maurice Kamto lorsqu'il a commencé à s'agresser aux Camerounais. Son projet politique, sa campagne, ses discours sont tous pétris de faits, d'expériences, mais surtout d'orientation pour un avenir paisible pour le Cameroun. Et voilà pourquoi certains quittent le bateau, mais beaucoup plus rejoignent le navire pour une destination qui peut être initiée par Maurice Kamto, il a l'habitude de le dire lui-même, mais qui retrouve toujours, qui peut, chemin faisant, trouver un autre leader. On a les Bibouni Sak en prison, on a le MSC a beaucoup de noms qui ne sont même pas connus. J'ai aimé un adage que le docteur Fridolin Kien a dit lors de son passage à Canada 2. Il a dit que ses lecteurs ne sont même pas nés. Les Camerounais qui vont véritablement changer le cours de la démocratie dans ce pays, on peut dire qu'ils ne sont pas nés. Donc il ne faut pas perdre espoir. Lorsque ton devoir, c'est d'éduquer. Même si Franck Biya venait à devenir le prochain président du Cameroun, ça ne changera rien sur toi, l'individu. Parce que ton rôle, c'est de contribuer à ce que ce pays reste debout. C'est de participer à éduquer les autres pour qu'ils comprennent ce que toi, tu as déjà compris et que les autres n'arrivent pas à comprendre. Et ça doit se faire dans le bon sens. Ça ne sert à rien d'haïr quelqu'un qui pense que ses intérêts sont quelque part où toi, tu penses que la tienne n'y est pas. On ne peut pas obliger l'être humain à réfléchir comme nous. On ne peut pas. Mais on peut continuer à produire du résultat parce que le moment venu, c'est ça que le peuple reconnaît. L'exemple de Kylian Mbappé nous parle encore. Restez focalisé sur l'essentiel. Travaillez pour éduquer les masses. Travaillez pour sensibiliser les gens dans la bonne façon de faire les choses. Dans l'éthique, dans la moralité. Sans se plaindre, sans se fatiguer. Continuez. Parce que le moment venu, j'ai dit, et la Bible le dit pour sortir, nul ne connaît le jour ni l'heure. Continuez à travailler. Le moment venu, le peuple vous serez fidèle. À bon entendeur, salut. Félicitations. Si tu es encore là, tu fais partie des 0,1% des gens qui finissent tout ce qu'ils ont commencé. N'oublie surtout pas de revisiter la chaîne pour fouiller d'autres contenus qui t'auront échappé lorsque tu n'étais pas encore abonné ici. Et n'hésite pas de recommander cette chaîne à autres personnes qui font des recherches sur le Cameroun ou alors qui aimeraient être au parfum de l'actualité de la politique camerounaise. N'oublie surtout pas de liker, c'est gratuit. Commenter également est gratuit et c'est l'une des choses que tu peux certainement faire pour apprécier nos contenus. Retrouvons-nous très prochainement. Reste scotché sur notre chaîne. À très bientôt.